Alors, t'as déjà travaillé dans un salon funéraire? Non. T'as déjà visité un salon funéraire? Non. T'as déjà entendu parler d'un salon funéraire? Non. Quoi, t'as jamais perdu un membre de ta famille? Bon, c'est-à-dire que j'ai déjà perdu mon père, mais ah, oui. Je l'ai retrouvé. Ah bon? Il était dans le placard. Bon, écoute, le travail consiste à rejoindre les gens par téléphone. Ce sont des gens qui viennent de perdre un proche. Il faut leur vendre nos services. D'accord. Et j'ai pas besoin de te dire que dans les circonstances, le téléphone, c'est délicat. Mais sans chien. Merde. Bon, tu vois? J'ai échappé le téléphone. En voici un autre. Merci. Bon. Désolé. Alors, tu fais ce numéro. D'accord. Le type vient de perdre sa mère, alors il faut parler avec tact. Allô? Bonjour, je voudrais parler avec tact, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu dis là? Y a personne de ce nom-là ici. Dis-lui, nous avons appris un décès dans la famille. Nous avons pris un dessert à la vanille. Pardon? C'est pas ça. Non? Votre mère est décédée et nous sommes désolés à l'idée de... Votre mère a décédé de Johnny Hallyday. Non! Qui c'est qui parle? Vous êtes attristé, ça laisse des marques. Vous allez assister à une arnaque. Il faut savoir que perdre un être cher... Vous allez voir que perdre un être, c'est cher. Raccroche. Qu'est-ce que je lui dis? Raccroche. Raccroche, monsieur, raccroche. Écoute, mon petit... Donne-moi ça. On a perdu un client. J'ai fait une contre-performance. Bon, on va essayer un autre numéro. Et cette fois-ci, t'écoutes bien ce que je dis. Oui, oui. Ça, c'est une dame qui a perdu sa sœur. Alors fais attention. Je crois que ça va très bien aller cette fois-ci. Je te le souhaite. Merci. Allô? Bonjour, madame. C'est le salon funéraire du dernier repos. Oui. Et puis... Votre sœur est décédée et elle mérite. Votre sœur est décédée et elle le mérite. Andouille. Quoi? Pour souligner la grandeur du départ du défunt. La grandeur de vos souliers? Non. C'est toujours dur quand on vous laisse. C'est aux ordures qu'on vous laisse. Que ce soit un départ subi ou... Que ce soit, vous me donniez un petit bisou. On s'occupe de tout. Car nous savons que la vie de vos proches... On s'occupe de tout et nous allons vider vos poches. Vous verrez que notre vœu est que vous soyez comblés. Vous verrez la note et vous allez tomber. Pour son honneur, nous savons que ce trépas terrible. Pour son odeur, le savon serait pas terrible. Raccroche. Déjà? Raccroche. Bon. Eh bien, toutes mes condoléances, mais je crois pas que tu fasses l'affaire. Vous voulez pas que j'en essaie un autre? Non, c'est pas celui-là. Non, pas celui-là, il est lui-même décédé, il va pas te répondre. Bonjour, je suis actuellement décédé. Mais laissez tout de même votre message et je vous rappelle aussitôt que posthume.